Moteur. Ça tourne. Action. Karasoft, la veille des dinosaures, quatrième. Mais coupez le technicien là, pourquoi personne n'est en place? Pas possible! Vous êtes Étienne Gemont, réalisateur? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas que je travaille là? J'ai un film à vous faire tourner. Mais dans un endroit, dirons-nous, un peu particulier. L'État possède une île au large de Madagascar, île dont le gouvernement m'a cédé la concession. Pourquoi j'ai passé ces 5 dernières années à y créer et construire un parc botanique et animalier? Nous ouvrons dès l'année prochaine et c'est pourquoi je compte sur vous pour faire la promotion de mon parc. Dinosaure. Mes chers amis, bienvenue au Crétacé Park. Voici le pavillon des visiteurs. C'est là que nous accueillerons le public du monde entier. Vous pouvez venir jusqu'ici pour tourner un spot publicitaire? Non mais c'est une blague. Votre parc est statutairement illégal. Et pour ma part, j'imagine que je dois écrire un roman avec des dinosaures. Il s'agit de créer une mode autour de ces animaux, afin de vendre le parc auprès du grand public. Je vais vous dire ce que ça m'inspire. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, du coup vous ne pouvez pas voir le danger de ce qui se passe ici. Fatalement, vous finirez par perdre le contrôle de votre parc et là non, je... Ne me faites pas rire. L'idée est avant tout de faire de l'argent. Et je l'ai créé en minimisant chaque risque, chaque danger. Nous ne trahirons pas dans ces conditions. Un accident, ça peut toujours arriver. C'était prévu au programme, ça. Faites-moi penser à remercier Crébatis pour ce charmant week-end. Ne soyez pas stupide. Ça grouille des dinosaures partout ici! Pourquoi rester ensemble? On va tous mourir les uns après les autres! Allez! Je vous ai dit de foutre le camp! Vous avez senti? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être le tyrannosaure qui arrive, hein.